Salut les filles! Coucou! Bon alors, déjà, pour commencer, je vais vous mettre là. Alors, on se retrouve là. C'est mon dernier combat. Vraiment, vraiment le dernier de dernier des derniers. C'est intense quand même. Voilà. Je l'ai fait en 3 fois. C'est mon troisième truc. J'ai fait des combats avant le match. J'ai fait des combats, 2 combats à la mi-temps, et j'ai refait le flèche noire il y a 10 minutes avant de tourner la vidéo. Là, on va se retrouver sur L, sauf que je finis avec L, j'ai pas fini avec un SP3. Comme d'hab, ça fait 2 fois où je sais pas, je continue en SP2, et quand je vois que c'est à moins de 5%, je me dis, ah oh, merde, le SP3, et voilà, et non, je le fais pas. Et non, ça finit tout le temps, et voilà, je me fais niquer. Lui, je vais les jouer, en fait, parce que, bah, en même temps, je vais en profiter pour vous montrer 2-3 petits trucs. Je pense que vous le savez, mais j'ai découvert des trucs ultra sympas, surtout avec lui, là. Alors, on tape. Vous avez vu, on monte les charges. Vous avez vu le buff violet avec un point jaune à l'intérieur là. Enfin un point, le point vraiment. Un point. Et bah, c'est des méchantes charges. Ça plutôt pas mal. Hop. Hop là, je vais faire ce P3. C'est des grosses charges. Des charges en fait de saignement. Je vais faire un brisiard et ça va popper. Ça va aller switcher en saignement. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup. Hop, et un 6, allez, boum, 7 saignements. Bon, le saignement, c'est pas top. Voilà. Hop là. Allez, charge un brisillard, merci. Voilà. Hop là. Allez, mon petit lapin, merci. Hop, on refait un brisillard. Allez, boum. Autant de saignements. Allez, hop, on refait un SP2. C'est vraiment devenu pas mal du tout, Ultron. Voilà, je l'ai pas up en 6, pas up en 5, parce que, bah, pour le moment, rien de... Hop, qu'autorisé. Hop, j'ai pas eu le temps de voir tous les dégâts que ça mettait. Oh non! Ah ça m'a fait mal. Ah, le brise-garde qui est pas passé. Voilà. Hop, je qu'autorise. Hop. Alors moi j'ai un peu régène parce que bah, c'est Ultron. Je t'ai pris une grosse gifle. J'ai fait bêtise. Boum. 11. On qu'autorise. Normalement c'est censé les transformer en dégâts. Je fais pas de brisard. Ça met de gros dégâts sur le spé. Vous avez vu, il a mis un spé 1 à 6K pour un 3 étoiles. On va essayer que une dizaine de. P3. Ça fait même beaucoup de coups, pas énormément de dégâts. Et là, on a 11.
C'est pas mal. Non, Ultron, c'est vraiment. Non, mais c'est vraiment pas mal. Je m'en suis servi sur le soda de l'hiver, en fait. J'ai vu qu'il était. Je l'ai pris surtout parce que c'était pour les synergies. Mais quand j'ai vu qu'il était maxé, j'ai fait, oh, on va aller jouer sur le soda de l'hiver. Et là, j'ai fait, ah, oh, mais c'est cool. Ah non! Bon, ben voilà. Ça a compté comme un recul et non un dexte. Ça, je suis même pas choqué. C'est pas grave. Ensuite, il reste lui. Je peux le soigner un peu. Lui, vous le connaissez tous. Moi aussi. Mais on va quand même aller se faire plaisir sur Hulk avec lui. Et on finira avec Guillotine 99. Voilà les trois persos que j'ai vraiment utilisés sur ce run. J'ai utilisé Ultron une seule fois, donc sur le soldat de l'hiver. Warlock, je m'en suis servi sur beaucoup de combats. En fait, très souvent, je commençais avec Warlock et je finissais avec Guillotine. Voilà. Tijo sautait bien de ma gueule en me disant, mais pourquoi tu fais ça? Et parce que, en fait, je kiffe les jouer. Donc, autant me faire plaisir. Voilà. Oh putain, mais il a fini de faire du full spé, lui. Ah tiens, j'ai le pouvoir. Voilà, ça passe bien. Hop, fin de l'histoire. Voilà. Ah. Cinq, hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, hop. 5. Et non, ça réduit pas le pouvoir un peu là? Ouais. On a trois infectés? Non, ça affole personne? Ah oh, je la prends en pleine gueule. Ok, ah d'accord. Ah, là, il n'y a plus de parade. Ah bah, ça y est. Hop. 1, 2, 3, 4, hop, hop. 5, hop. 1, 2, 3, 4, hop, hop. Allez, fais de là, toi. Merde, j'ai explosé. Pardon. Hop, je me bats avec un petit pipillon. Bon, bah, SP1. C'est compliqué. Maintenant, elle. On y va avec elle. Faut juste que je reparte sur un combo de sang. C'est moche. C'est moche, moche, moche. Mais ça va bien se passer. 1, 2, 3, 4, 5. Source P2 est plus cool. Alors je mets des dégâts. Tout à l'heure, ce que je disais, ah, tu tapes des fois 86, tu fais, mais non, c'est pas possible. Non, mais sérieusement, il y a des fois ça pique. Bon, on va vite arriver à 100. Et là, on va le commencer à envoyer. Il veut pas envoyer 2 SP. Voilà. Normalement, on passe ses 100. Ah là! On va commencer à se faire plaisir. On va essayer de plus perdre son combo. On est parti.
Faut pas que je me trompe, dès que je suis à 5%, faut que j'envoie le SP3. Oh, Dexte! Allez, ma petite fifille là. C'est le stress parce que à tout moment, je peux perdre mon combo ou prendre une grosse tarte qui me mettrait à zéro. Comme sur Spear. Voilà. Allez, régène. Fais pas la pute. Oublie pas de régène. Voilà, ça régénère. C'est pas mal. Je peux faire encore un SP2. Et après, je pense. Ouais, j'enlève à peu près 10% pour remonter en SP3. On y est presque. Allez, le SP3. Oh, je l'envoie. Ah, ça y est. J'ai pas oublié. Bon, bah voilà. Non, guillotine, elle est vraiment très bien là-dessus. Franchement, tout le monde le dit. Je vous remets là, maintenant que j'ai fini. Et c'est vrai. Et guillotine est énormissime là-dessus. Non, elle est vraiment impressionnante. Vraiment très impressionnante. Retour requête. J'allais dire, hein? Quoi? J'ai pas fait tout ça pour ça. Non, j'ai fait ça. Pas pour ça. J'ai fait ça pour ça. Alors. Où est-ce qu'ils sont? Là! J'espère choper du lourd. Ce qui est du T5, hop, je veux ça. Je veux du mystique. Il me faut du mystique. Mystique, mystique. Hop là. Hop là. Allez. Merci. Hop. Presto. Allez, un petit opening en même temps. Et c'est parti. On va aller voir là déjà. Qu'est-ce qu'on a? On a rien du tout. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Ici, donc on a ce fameux cristal un peu bizarre. Je prends ça. Je prends ça. Il est là. Cosmic Tech. Je ne vous cache pas que Penny Parker, Corvus, il y a Hercule, ah ouais, c'est Silver Centurion, l'éveil de Nimrod, oh là là, il y a du lourd hein, quand même. La guillotine 99, non, 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 l'éveil de mon Warlock, l'éveil de Venom, allez, du lourd, donne-moi vraiment du lourd. Oh, plus 20 à elle. Oh. C'est un rollover, ça m'éveille au moins CGR. Mais bon, un plus 20 à MCU. C'est énorme. Je kiffe. Je suis content. C'est du lourd. C'est du top 5 cosmique. Donc, c'est du très lourd. Voilà, plus 20. Eh ben, mon prestige monte. Ça a fait monter mon prestige. Redrôle, parce que c'est peut-être ma première 6R4.
Bon bah voilà. Alors on en a fait un. Ce qui est plutôt pas mal. Je ferai pareil pour le prochain, c'est Egon. Mais ça, je le ferai peut-être demain. Ou la semaine prochaine. Je ne sais pas. Voilà. Clairement. Attends, d'abord, je vais voir ça. J'étais à 122, je crois. 176. Ok. Voilà. Cosmic Tech. On va les mettre. Donc bah, j'ai eu celle que j'ai vraiment de mieux. J'aurais pu. Voilà. J'aurais pu éveiller mon Odin, éveiller mon Warlock, éveiller Mysterio, Nimrod, CGR. Vraiment des pas mal. Avoir Corvus, Hercule. Hein, dedans. Éveiller Venom Pool, éveiller Venom, que j'aurais kiffé. Éveiller Médusa, que j'aurais vraiment kiffé. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, même. Mais ouais, les éveils, tous les éveils, j'aurais pris. Un nouveau, j'aurais pris de ouf. Captain MCU. Elle est à 120, je vais finir par la mettre à 200. Elle va finir, si c'est elle que je dois monter, si c'est 4 en premier, je la mets à 200. Voilà, aujourd'hui, elle ne l'est pas. Parce que. J'ai envie de garder mes pierres plus pour un bon Hercule ou un Knull. Hein? Voilà. Mais bon, le jeu veut pas me les donner. Non, mais ça va venir. Mais voilà. En attendant, les filles, comme d'habitude, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo du Hulk. Voilà. Clairement, avec le petit opening derrière. Un très beau opening parce que bah, MCU, je kiffe. Vous savez que je la kiffe. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme d'habitude, si ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est à vous de choisir, c'est pas à moi de décider pour vous. Ce que moi je peux vous demander, c'est de partager un maximum la chaîne et de vous abonner parce que c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous fais des bisous, à plus, salut les filles, bye bye.